Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 3 pour l'ouverture du calendrier de l'Avent en ce mois de décembre. Voilà, je vous mets pour faire voir le sapin. Du coup, nous sommes le dimanche, voilà, donc on va commencer à ouvrir les paquets. Donc, j'ai devant moi les calendriers que j'ai à prendre. Donc, hier... j'ai fait le sac à post-scrap et ben aujourd'hui on va commencer par le Blissim, donc le jour numéro 3. Un superbe vernis tout pailleté gris argenté avec plein de paillettes. Donc je pense que ça va être pour une des filles, puisque pour toi c'est ça. Ah oui, elle a déjà eu, il me dit, non. Voilà. Parce que moi, d'ordre général, je mets que du gel, je mets pas de vernis comme ça. Peut-être que je leur piquerai quand même, ça veut rien dire. Oui, tu peux me piquer. Moi, tout à fait. Du coup, après, nous avons le sac à post-scrap. Donc aujourd'hui, j'en ai deux, puisque je pense que ça fait partie de l'option aquarelle que j'ai pris. Donc on va ouvrir le calendrier sac à post-scrap. Alors nous avons quoi? Alors il doit bien me connaître, c'est pas possible, parce que franchement il est super beau. Donc c'est un hors série, c'est le papillon. Voilà, donc c'est un tampon et c'est celui-ci. Il est très très joli. Trop bien. Donc, vraiment, ils me connaissent. Hein. Donc voilà pour ça. Et le deuxième paquet. Donc je crois de mémoire que chez Sac à post-scrap, ils font leurs propres aquarelles artisanales. Ça colle. Voilà. Donc, ils font leurs propres aquarelles artisanales et c'est pour ça que j'avais envie de le prendre. Donc, c'est super sympa parce que du coup, ils ont déjà switché les couleurs. Donc, trop, trop bien. Donc, on a un œil de chat. Je suppose que c'est celui-ci. Donc, c'est un petit godet comme ceci. Ouais. Voilà. Ça, je pense que c'est... bleu. Ah, ça, c'est le bleu, ça. C'est avant minuit. Donc, voilà, un deuxième godet. Et ici, on a un British velours, voilà, comme ceci. Donc, trop, trop bien. Ben, je vais les mettre de côté et je les mettrai dans une petite boîte pour les tester. Donc, maintenant, le calendrier de la fée du scrap. J'ai pas commencé mon December Daily, je vais m'y mettre puisque j'ai pris en photo mon sapin et ça va être la première photo du calendrier du December Daily. Nous avons un dies, ça doit être un dies fleur, je pense. Au vu de la présentation, je pense que oui. Non, c'est un labyrinthe. Plutôt fleur, je pense. On le testera, on va regarder. Ensuite, nous arrivons au calendrier de Camille. Ah ah. Où elle a mis ce matin une première partie de comment elle a monté son calendrier de l'Avent. Et c'est ce que je pensais, je mettrais mes découpes de Noël, puisque j'ai une caisse exprès pour Noël et hiver. En général, une caisse, une boîte, on va dire. Et du coup, je mettrai mes découpes de Noël exprès dedans. Comme ça, ils seront rangés. Alors, jour numéro 3. Indispensable pour commencer décembre. Alors, je vous fais voir le paquet, parce que indispensable. De la neige. Non, bah ça, on va éviter, par contre. J'aime trop la neige. Donc, c'est rond. Une tasse.
Ouais, je dirais bien une tasse pour faire du chocolat chaud. Chocolat chaud, on met des chamallows dessus, là, c'est trop bon. Ah, c'est trop bon, ouais. Je reconnais les gros goûts. Alors, on y va. Quelque chose. Et c'est une tasse Mug XXL. Ah bah là, tu pourrais faire des vrais chocolats chauds. Ah bah là, je peux faire des super chocolats chauds. Elle est trop chouette. Ou café. Impeccable. Parce que... Ou café. Ouais. Et le café. Hein. Elle est trop trop chouette. Oui, ça c'est les indispensables de Noël, ça, effectivement. Trop trop bien. Oh, trop chouette. Merci infiniment. Bon, on ne met pas d'alcool dedans. Hein. Non, bah, 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 pas là parce que. De l'alcool là-dedans. Bah, café goutte. C'est bah, typique chez nous. Oui, ah, café goutte, c'est plutôt typique. Plutôt un café ou un chocolat. Hein. Café goutte, c'est pas trop mon kiff. Trop trop bien. Eh bien, je suis super contente. Encore une belle ouverture de calendrier de l'Avent. Donc, mes petites aquarelles, ma petite tasse, le petit papillon, voilà. Le petit dice. Et le petit dice que je vais tester après avec Noélie. On va faire des découpes et on testera ce que ça donne. Et le vernis. Ah, et le vernis, faut pas oublier. Voilà. À paillettes. À paillettes. Camille, elle va adorer les vernis à paillettes. Donc voilà. Donc on se retrouve demain pour l'ouverture du calendrier numéro 4. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bisous, bye bye. Bisous.